Salut, salut, bonjour et bonsoir tout le monde, ça dépend de votre position. Voilà. Excusez-moi, hein. Voilà, c'est vrai, c'est dimanche. Bon dimanche au passage. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, je vais aller droit au but. Ok. Je viens de voir quelque chose sur la toile là. Je sais pas sur quoi vous comptez. Je sais pas sur quoi vous comptez. Mais franchement, vous dépassez les bornes maintenant. Debordeaux là, il est orphelin, mais il y a l'homme derrière lui. Ne vous foutez pas de l'artiste, c'est un artiste comme tout autre. C'est un artiste comme tout autre. Donc ne vous foutez pas de lui. Avant de parler même du sujet de la vidéo, je vais lire le message. Nous tous, on va entendre. Et puis, je vous dis deux mots. Voici le message, les amis. Comme tu as décidé de faire le malin, reste sur tes gardes, petit. Debono n'est pas ton petit, n'est pas votre petit. Je vais frapper à tout moment. On ne joue pas avec n'importe qui. Jusqu'ici, je t'ai laissé le bénéfice du doute. Tu veux jouer au malin. Tu prends la compte pour ma soirée à Bruxelles et tu disparais. Tu joues mal, petit. Voilà. Moi, j'étais venu ici pour vous expliquer. Chacun a raconté ce qu'il voulait raconter. Les soi-disant vidéomans qui cherche un nom, qui veut se faire voir là. Voilà, vous avez vu, ce message me donne raison. Vous parlez pour ne rien dire. Moi, je suis pas venu pour couvrir mon débordeau. Quand il déconne, je le lui dis. Mais c'est pas pour autant qu'on va le traiter d'escroc. C'est pas pour autant qu'un individu comme ça, qu'on connaît même pas, qui ne compte même pas, va venir proférer des menaces sur mon artiste et puis elle m'a soigné, regardez. Quand Debordeaux était énervé, lui au moins pour lui, il a fait ça en direct en vidéo, il n'a pas caché son visage. Il était en colère, puis il était en train de s'emporter sur les réseaux sociaux, s'engarrer là. C'est pas nous, c'est pas nous, on a dit non, faut te calmer, sinon ce que tu es en train de dire, ça te compromettre un jour. Vous vous rappelez pas? Vous avez fiché le mec, non? Et puis toi aujourd'hui, pour une histoire d'avance, de cacher, non, c'est pas tout le cacher, ça avance seulement. Mais c'est toi celui qui doit. C'est toi celui qui doit. Ça y est, souvent même, vous vous comportez comme si vous ne réfléchissez pas à quoi. C'est-à-dire, à la limite, nos artistes là, c'est du n'importe quoi. Vous pouvez parler de André, ça y est, il est vilipendé comme si il n'en était rien quand même. Un minimum de respect. Un minimum de respect. Ce que tu ne sais pas, mais ce que vous ne savez pas, vous qui êtes derrière ce message-là, le numéro est là. On va le traquer et puis on va savoir qui a envoyé ce numéro, ce message-là. Voilà. Enfin, il y a l'homme des débordés. Ils sont beaucoup comme ça en Europe là-bas, même dans ton Belgique où tu es là, même dans votre Belgique, il y a l'homme là-bas. Donc vous aussi ne soyez pas surpris. Quand vous envoyez un tel message là, bon, vous demandez à être remboursé et en même temps vous proférez des menaces. J'ai dit à mon artiste, ce screenshot là, il gaspille comme pièce à conviction. Voilà. Comme vous n'êtes pas allé à l'école, je veux vous dire qu'à cause de ce message-là, vous risquez de ne plus être remboursé. Vous risquez de ne plus être remboursé. Parce que si vous ne savez pas, si Debordeaux, même à Abidjan ici, en Europe, quelque soit où il est un petit bobo, c'est vous. Vous, ces promoteurs de Bruxelles-là. Toi, personnellement, qui a envoyé ce message, c'est toi. Donc réfléchis à ta tête. Vous pensez qu'on résout tout par la force? Si on résolvait tout par la force, à mon ami, on n'est pas s'en sortir. Hein? Parce que chacun essaie de vous faire ce qu'il veut. Donc, un minimum de respect. Un minimum. Il faut rentrer dans le message de l'inbox de Debordeaux. T'excuser. Sinon, je te dis. Voilà. Ceux qui pensent qu'ils sont allés trop à l'école, là, moi, je vous dis. Vous ne savez pas qui est qui. Où. À cause de ce message, vous, vous risquez de ne même plus être remboursé. Bon, vous le menacez. Où. Si demain, quelque chose lui arrive, il vous rembourse comment? Tellement vous êtes bête. Parce que ce message à quelqu'un peut plus faire du mal. Moi, on va pas chercher. C'est vous. Que ce soit vous, pas c'est vous. Et puis, on vous trouver. Vous comptez sur quoi? Menacer Debordeaux. À cause de quoi? 15 000 euros. C'est 15 000 euros qu'il n'a jamais touché. L'argent qu'il a encaissé là, ça vaut 15 000 euros. Valent ça. Un minimum de respect. Vous pensez qu'il a 15 000 euros près? Mais il a eu tous les bobos juste à l'ambassade pour son visa et puis vous venez le menacer. Ça, c'est ma première vidéo. Ce soir encore, il a fait une vidéo. Ne vous ressaisissez pas, hein. Ne vous excusez pas, vous allez comprendre. À ce soir, les amis.